frérot. Salut. Salut. Déjà, félicitations. Merci, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, tu m'as ramené ta voiture. Yes. La Logan de l'enfer. On est en train de faire le tour. Et la deuxième partie, c'est que tu vas la déposer. On va s'en occuper. Yes. Et d'ici 15 jours, tu vas pouvoir venir la récupérer. Elle sera nickel chrome. Okay. Et ça fera plaisir à la famille. Elle sera neuve. Alors, raconte-moi un peu ton auto. Bah écoute, l'auto, elle appartenait à mes grands-parents qui étaient dans le sud. Attends, déjà, je te coupe juste, frérot. Ça me fait longtemps que tu me suis ? Ça fait 3 ans, ouais. Bah, je suis content. Ça fait. Tu sais pourquoi ? Parce que quand on fait des concours, alors on devrait pas dire ça normalement, mais quand on fait des concours, on a toujours ce petit truc de se dire putain, si ça se trouve, c'est juste une personne qui s'est abonnée pour le concours. Moi, je suis content. Ouais, bah, mais après, tu ne m'aurais pas connu, c'est le jeu. Oui. Donc, ça aurait fait quelqu'un qui m'aurait. Ça rajoute quelque chose un peu quand. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut se le dire. Ah oui, c'est. Donc, du coup, ça fait 3 ans que tu me suis. Combien de temps que tu as la bagnole ? Ça va faire 2 ans et demi. D'accord, c'est bien. Je suis encore en probatoire, là, il y a la baleine, le A du Seigneur à l'arrière, là. Ouais, j'ai vu. Mais non, ouais, 2 ans et demi que je l'ai. Okay. C'est un don de mes grands-parents. D'accord. On a remonté du sud en 2013. Okay. Donc, l'auto, elle est neuve, elle a 60 000 km. Ok, incroyable. Elle date de 2007, du décembre 2007, donc voilà. Donc, c'est ta première bagnole. Ouais. D'accord, bon, bah ça va être bon. Ouais. Je vais faire quand même le tour. Vas-y, et après, on va voilà. Donc du coup la petite Dacia du Seigneur frérot, qui fait plaisir à la famille. Frérot, tu sais, hein, faut bien commencer quelque part, ah, comme on dit. Mais en tout cas, on va s'en occuper. De toute façon, c'est une caisse, je pense que tu vas garder. Bien sûr. Je fais mourir, frérot, me fais pas le coup. Non, le soir même, elle est sur le bon coin. Ça dégage, je fais mourir. Ça va être mon délit. C'est déjà ton délit ou tu roules à la fin? C'est ton délit. C'est la fin de l'année. Avril-mai, j'aimerais partir sur BM. Ouais, tu voudrais me prendre une BM aussi? La Passion. Ouais. 335i, F30. Oh, c'est bien, ça fait plaisir. M. Ça fait plaisir, frérot. Mais bon, ça va être beau, il faut travailler. Oui, certes. Donc, on a un rétro qui est tapé ici, frérot. Il a dégagé. Un coup de portière du Seigneur ouais. Qui fait plaisir ici, que tu as repeint la bonbonne. Ouais, sans ponçage ni rien, la guerre. T'as bien raison, frérot. Hein, on est là pour la passion. Des coups de portière, en veux-tu, en voilà, qui font plaisir à la famille. Ensuite, là, ça fait plaisir. Là c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, frérot? Donc là, j'étais dans un parking à Évry. Ouais. J'ai reculé, j'ai fait un créneau. Et il y avait des tuyaux le long du mur. Ouais. J'ai reculé à 5 km/h. Hein. Ouais. Paf. Je me suis mangé le truc. Ok. Donc, ça commençait à s'oxyder. C'était la guerre. C'est la question vraiment que j'allais te poser. Ça s'oxydait de fou. Ouais. Du coup, j'ai mis ça vite fait. Ok. Voilà. Bon. C'est pas la même couleur, c'est bon. C'est pas grave, ça va quand même être beau. Tu sais que franchement, dans l'ensemble, elle est proprette. Bah, je l'entretiens bien, ouais. Franchement, dans l'ensemble, elle est propre quand même. Elle est bien propre. Bah, je fais ce qu'il faut. Non, c'est bien, frérot. J'ai une petite méduillère. Et puis, le petit coup de brosse, et puis voilà. Enfin, pas la brosse, attention. Mais... Non, mais c'est bien. Le petit gant, voilà. Hein. En fait, ouais, il y a quelques petits trucs. Après, tu vois, c'est des poulas, la peinture qui se Ça y était ou c'est toi qui as fait? Mais non, c'est ça, les gens. Ça se barre, ça c'est les gens. Ok. Bon, ils voient une Logan. Toi, la seule chose que t'es faite, c'est de péter le coffre. C'est ça, c'est tout. C'est ce magnifique béquet artisanal. Ouais, mais c'est beau. D'accord. Je peux ouvrir, frérot? Ouais, vas-y. Alors, du coup, ok. Mécaniquement, c'est bien ou c'est le bordel? Mécaniquement, c'est très beau. Ok. Je l'entretiens bien chaque année. Ok. J'ai fait un devis pour la courroie de distrib 800 balles, c'était beau. Ok. Puis non, les pneus avant sont neufs, les freins aussi avant sont neufs. Tu m'as pas ramené une merguez. Non, je te jure. Tu m'as ramené une bonne voiture. Fait, c'est propre, mais ça, c'est pas d'origine en plus, ça. Ouais, les petites housses, ouais. Les jeunes trucs Neurouto. Neurouto, la passion. Tu t'es mis des petites housses qui font plaisir. Alors, par contre, c'est pas du tout adapté à la Logan. C'est ouais. 2012, alors que moi, c'est 2007. D'accord. Mais c'est beau quand même. Ça fait le taf. Ça va où ça part, ouais. Ok. C'est bien. Non, mais ça va parce que, en fait, en vrai, il n'y a pas vraiment grand. Bon, après, c'est toi qui as gagné, hein, frérot. Ouais, bah oui. Donc, ça aurait pu être n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Et au final, bon, bah, on se retrouve avec une voiture qui est en vrai, elle est tout à fait très correcte. Je pense qu'on va plus se faire. Enfin, personnellement, je pense que je vais me faire plus plaisir sur l'esthétique. Ouais. Tu vois, ça, c'est sûr. Je vais me faire un plaisir, tu vois. Parce que, en vrai, tu vois, il y avait vraiment plusieurs options. Ça va, les refs? Tranquille? Il y avait plusieurs options qui étaient. On partait vraiment sur de la mécanique et un truc catastrophique, tu vois. Du coup, on aurait refait la voiture. Mais comme la tienne, c'est une base qui est déjà très saine et qu'elle est bien entretenue, etc. Je pense qu'un petit coup d'esthétique, ça peut être marrant. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas faire le chacal. Comme je sais
que c'est ton délit, je vais pas te faire un truc con, tu vois. Je vais te faire un truc, t'es passionnant. Tu vois. Passionnant avant tout. Ouais. Non, mais franchement. Voilà. Bah, quand tu regardes aussi, les rétros, c'est pas les mêmes. D'accord. Bah, ça, c'est un 2012. Alors, faut savoir que ce rétro-là, c'est insolent parce que je l'ai. On me l'a volé. On me l'a pété dans ma rue. D'accord. Je suis allé chez un carrossier, il me l'a changé. Ouais. 300 balles. Non, arrête. Je te jure, 300 euros. D'accord. Et le lendemain, il me l'a repété. On me l'a repété dans la rue. T'as des ennemis ou quoi, frérot? Je te jure, j'ai vu flou. J'ai pété un câble. Mais t'as des ennemis? Non, mais j'ai pété. Ouais, c'est. Ça va les refs? Tranquille? C'est la famille. Donc quoi, t'as pas d'ennemis déclarés qui te pètent un rétro? Non, bah, tous écoute, les jours. Ça va. Non, ça va. Bon. Franchement. Ok. Donc là, donc le rétro ici, c'est un 2012 et celui-là, c'est donc l'année de la voiture. Ouais, c'est l'original. Hein. Ok. Donc 2007. Tu préfères qu'on te monte un 2012 ou un 2007? Bah, tu caches pas qu'on voit comme dans un camion là-bas. Ah ouais, là, t'as c'est le. Petit, là. Là, c'est super petit. Donc tu préfères quoi alors? Bah, franchement, je préfère un adapté comme ça. Est-ce que, genre, j'ai une vraie question à te poser, mais ça, c'est pas prévu, tu vois, dans le truc avec le lynx.fr, mais je vais essayer de leur demander. Est-ce que je peux faire. Tu sais, genre, je peux mettre des accessoires de débile, où tu m'autorises ou pas? Mais qui s'enlèvent! Ah, bah, ça peut être beau alors. Mais genre, à l'intérieur, tu sais, genre, j'ai eu une vision quand tu m'as parlé de ça. Franchement, fais-toi un grand plaisir. Je vais me faire ça un plaisir. Ça fait plaisir. T'es sûr, hein? C'est parti. Est-ce que tu préfères que ça soit dans la passion ou l'insolence? Est-ce que quand tu veux arriver voir tes potes avec la bagnole, tu veux que les gens ils regardent la voiture et disent ouais tu te fous de notre gueule ou oh, t'as la passion? Passion avant tout, mais ça roule. Ok. En fait, c'est très con parce que la base elle est saine. Donc si tu veux, en fait, genre là ça va être que du bonus pour ce que je vais faire, tu vois. Donc ça fait plaisir. Bon, voilà, Je vais voir ce qui est, en fait je vais voir justement ce qui est possible que je fasse, c'est en fonction de beaucoup de choses ça va tranquille frérot, du budget qui va être alloué etc, et de la manière dont les partenaires qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, tu vois, mais ouais franchement je pense que je vais quand même me faire un petit plaisir, c'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas préparer, enfin tu sais faut qu'on reste dans les cadres légaux, c'est évident, tu vois. Mais sinon, franchement, si c'était nos limites, franchement, ouais, j'aurais fait vraiment le con. T'imagines, on l'aurait passé en turbo. Mais c'est une atmosphérique, hein, 4 cylindres. Ouais, mais on peut pas le passer en turbo. Elle a combien de bornes, là, tu m'as dit? Elle a 59 600 bornes. Tu sais que c'est bien, hein, frérot. Elle est neuve, le temps. Franchement, c'est bien. Ok, frérot. Bah, écoute, je vais te laisser aller déposer ta voiture. Ouais, bah, écoute. Et puis après, on est parti. Mais je suis en train de regarder, en fait, tout ce que je peux faire, en fait. Je sais ce que je vais faire. Je sais exactement, en fait, quand je regarde la voiture, tu sais, je sais ce que je peux faire. Mais franchement, je te fais la promesse, ça va pas être kitsch ni débile. Mais si ça vient parce que, de toi, c'est pas... Non, ça peut venir de moi, frérot, mais c'est une voiture que tu roules tous les jours. Faut que ça soit. Mais faut que ça va être con. Ça va être insolent. T'as une couleur préférée? Genre, ouais. Qu'est-ce que t'aimes comme couleur? J'imagine la couleur du RS3 dessus. Non, c'est... non, faut que ça soit un délivré. Un roulable truc. Je te jure. Un petit gris comme ça, grinardo, ouais. Un grinardo? Ouais, grinardo. Ok. Un petit peu passion. Ok, mais tes couleurs préférées, c'est quoi? C'est le gris? C'est le bleu? Bleu passion? Bon, bleu passion, ça va être un peu triste. T'aimes pas bleu? Mais franchement, un bleu ciel? Merde. Un Miami Blue? Ouais? Là, ça va être un peu trop, je pense. Je sais exactement ce que je vais faire. Et ce soir, je vais quand même les rappeler pour savoir exactement où est-ce, jusqu'où je peux aller, tu vois. Parce que frérot, s'ils me disent, vas-y, mets-lui un aileron, ça peut faire plaisir. Ok, en tout cas, on va s'occuper de ça, frérot. Merci à toi, déjà. Et puis, en tout cas, bah, félicitations. Merci, du coup, tu vas rien rouler là pendant 2 semaines, tu vas faire ça? Si, j'ai le délit de mes parents. Ok, donc tu vas rouler avec ça, c'est quoi si c'est pas indiscret? Ah, c'est bon, la passion, ouais. La passion de la chasse. Ah oui, exactement. Ok, donc tu vas rouler avec ça. Ouais. Une fois que la voiture sera prête, tu vas venir. On va faire l'unboxing, frérot. L'unveiling. Tu sais, comme GMK il fait dans ses vidéos, tu sais, où il met avec la bâche. Et tu sais, il la retire toujours d'une façon, il me rend fou. Et il me rend fou quand il fait ça, frérot. Il me rend fou. Et à chaque fois, il dit
un monstre. Il me tue, frère. Ok, mon ref. On va faire ça, frérot. Combien tu payes d'assurance? C'est une question bête. Alors, c'est un seul an. Mon père, il paye 13 € par mois, je crois. Putain, c'est bien. Ouais. Donc là, un second conducteur. Je suis un premier conducteur. Ouais. Putain, 13 balles. 13 balles. Puis, incroyable. Ben, on est là depuis longtemps dans l'assurance, alors... Ouais, mais bon, non, je pensais qu'en première voiture. Mais je veux quand même, comme je le dis, comme je sais que c'est ton délit, faut pas que je fasse nimp. Ouais. Parce que tu travailles. Bah ouais. C'est indiscret de te demander ce que tu veux. Tu bosses pas où, mais ce que tu fais. Je bosse dans l'automobile. D'accord. Je travaille chez Faurecia. C'est quoi? Un équipement anti-automobile, frérot. D'accord, ok. Ouais, donc, en vrai, si t'arrives, avec, c'est pas grave. Il y a un petit parking tranquille, ça va. tu seras... peux aller loin. Non, parce que, frérot, c'est pas, tu vois, c'est... Dans le sens où si tu sais, si tu étais commercial ou tu faisais de la démarche, frérot, tu vas parier avec un aileron en carbone. Salut. Salut. C'est beau. En fait, tout va dépendre de ce qu'on je peux faire ou pas. Parce que moi, les idées sont illimitées. Finalement, là, il n'y a rien, tu vois. La courroie, tu l'as pas faite, hein? Non, je l'ai pas faite. Ok, ça, je pense qu'on va le faire. Au moins, comme ça, elle sera neuve, l'auto. En plus, je devais faire la révision début octobre. Ok, ouais, non, mais je pense que ça, on va le faire. Révision et compagnie et courroie, ça, je pense que c'est. On va le faire. On va mettre des glaces teintées. Mais franchement. Ouais, mais pas devant. Ouais. C'est l'assurance. Mais c'est vrai que je préfère avoir un confort. Et la limite, c'est comme ça, il te regarde. Ouais, c'est un aquarium, ouais. Sans vitre, sans glace, ouais. Non, je pense qu'on va pouvoir te faire un. Ouais, non, on va se faire un petit plaisir. Il y a des LED, ça va être débile, ça va être débile. Je vais me faire plaisir. Ça va être... Frérot, merci à toi. Pas de soucis, frérot. Je vais peut-être un petit sorti. Sorti passion. Double passion. Bah franchement, j'aimerais. Je vais voir. Frérot, je veux pas rien. Je veux rien promettre. C'est autant. Je te fais la promesse que par contre, autant que je pourrais y aller, j'irai. Ça veut dire vraiment s'il y a nos limites, là ça va être marrant. Après, si je suis limité, j'irai quand même à la limite de ce qu'on m'a dit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Donc ça, t'inquiète pas là-dessus. On peut dessigler ou pas? Ça peut donner un style, ouais. Ouais, petit dessigler. Ouais. Ouais, bref, je te hype pas. Mais frérot, tonton, fais comme tu fais pas un je vais faire ce que je peux faire. Ça va être beau. Au maximum. Ouais. Merci à toi, mon ref. Merci à toi. Incroyable. Surtout, merci à et vous. Et puis du coup, ouais, bah, de toute façon, dans la vidéo, les gens vont voir au fur et à mesure ce qui se passe. Parce qu'on a, on va mettre des GoPros chez chacun des chacune des personnes qui va bosser sur ta caisse. Pour faire un timelapse, ouais. Pour qu'on voit ce qui a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être intéressant. Moi, ma partie, elle va être très rapide, frérot. J'arrive avec un caddie, j'ai le rondo. Ça. Bon, bah, frérot, merci à toi. Bah, merci. Hein. Bon courage. Merci beaucoup à tout le monde. Oui. Tes managers, toi et le Lynx, surtout. On va faire les choses bien. Je crois qu'il est pas content. Mais ça va être très très beau. On va faire ça proprement, mon frérot. Du coup, je te rends rendez-vous dans deux semaines, c'est ça le délai à peu près? On t'a donné ça? Bah, on m'a pas dit, mais pas de soucis. On t'a pas dit, ouais, je pense que ça doit être une quinzaine de jours. Donc, amuse-toi bien, frérot, et puis on se revoit au retour. Pas de soucis. Ça va être merci. Beau. Salut. Ciao. Ah, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rentrer. Ce serait bien de la reculer un tout petit peu. Mais il n'y a pas besoin, Alex. Non, il n'y a pas besoin, tu penses? Mais non. Moi je vais rentrer. Je vais me mettre derrière le rideau, frérot. Je vais dire à Mika que c'est bon, il va ouvrir le rideau, mais tu me promets de fermer les yeux jusqu'à que je te dise d'ouvrir les yeux. Ah oui, voilà, retourne-toi, t'as raison. Donc voilà, la voiture est là. Il a le reflet. Ah oui, t'as le reflet. Regarde en haut, frérot. Ça brille. Donc là, on a la voiture qui est ici. Incroyable. Non, mais tu sais que là, vraiment, tout le monde va te reconnaître. Ah ouais, c'est... T'es vraiment stressé, hein? Là, je suis à bout, là. Bon, regarde le plafond, frérot, c'est parti. On va pas le faire vomir. À tout de suite. Vas-y, allez, mon... On est parti. Vas-y. Allez. Ferme les yeux. Garde les yeux fermés. T'allumes tout d'un coup, Alexa. Ouais, tout d'un coup. Ouais. Alors, tu sais quoi, je vais même éteindre celle-ci. Voilà, t'allumes tout d'un coup quand je te dis. Il est vraiment à bout. Il a l'air vraiment à bout. Ça va être incroyable. Ah, je suis à bout là. Frérot, retourne-toi sans ouvrir les yeux. Là, ferme les yeux. Là, je suis dans un état second là. Ferme les yeux. Alors, attends. À 3, tu les ouvres et à 3, tu allumes en même temps. Très bien. 1. Oh putain. 2. Attends. 3. Merde. Merde. Oh merde.
Merde. Non mais attends, mais c'est con. Mais c'est aberrant. C'est très aberrant, frérot. Oh merde. Mais attends, mais j'adore. Ça te plaît? Oh merde. Bon. Ah, ça là, frérot, je pense que là, tu pourras plus jamais passer inaperçu. Ah, mais là, par contre, même dans le noir. Ah, merde, ils ont tout seul. Ah, non, mais tu sais qu'il y a en fait, il y a vraiment du taf dessus. Il y a vraiment, vraiment du taf. Déjà, le côté mécanique, on va t'expliquer ce qu'il y a eu. Je peux avoir la liste, Anis, parce que la liste est longue. Donc, j'aimerais bien avoir la liste quand même, frérot. Tu veux pas me soutenir un peu? Je te jure. Alors, frérot, donc, t'es prêt? À écouter tout ce qu'on a fait. Euromeca a fait la courroie de distrib, la pompe à eau, la vidange plus filtre à huile, les filtres à air, filtre à habitacle, les essuie-glaces avant. 4,9 Bah oui, ça je l'ai vraiment. 4,9 Attends, mais les vénères de. Nous, personnellement, on a fait le rétro gauche, ensemble. ensemble de housse de siège, tapis de sol, neuf, stickers plus porte-clés AKR, et puis on t'a mis le plein. Oh merci, on a fait passer ça en vrai. Quand même, quand même, c'est la moindre des choses. La passion, les visites en ville. Voilà, c'est ça. Autolette Prestige a mis toutes les ampoules, attends, toutes hein frérot, extérieur et intérieur en LED. Donc frérot, là t'as de la LED partout, là, je vais même les feux de recul, hein. T'as les feux de recul de camion frérot, ça en LED. Oh, je vais en éclairer plus d'un là. Le frangin de DTEC Automobile, il a fait un peu de boulot de carrosserie et surtout la malle arrière qui était défoncée. Ouais, là c'était un peu beau là. Donc il s'est fait vraiment plaisir. Qu'on le remercie. Ouais. Le frangin de Débosse ton carrosse a débosselé l'ensemble de la voiture parce que toi tu t'étais fait un petit plaisir. Bon, après c'était pas vraiment de ta faute. Ouais, on va dire ça. Tu l'avais récupéré comme ça, je me rappelle. Je m'excuse. Alors, le frérot de Coverstyle 95, donc Alex qui est ici présent, a fait tout le covering en caméléon. Exactement. Petite clin d'œil frérot au Skyline GTR de l'époque. Exactement. Ouais. Franchement, donc covering caméléon, donc vous le voyez hein, la famille, ça se passe comme ça. Donc là vous avez comme ça et là ça va basculer, ça va changer de couleur, donc voilà. Et j'avais bien retenu la leçon que tu m'avais dit mon frérot, par exemple là regardez, on voit le toit etc. En fait, c'est très dur à poser parce qu'il faut que tu sois toujours du même sens. Exactement, c'est un film directionnel. C'est-à-dire qu'on on peut pas... Comment dire? Ouais, comme d'habitude, les explications, tu sais, je sais pas moi. Tu prends le même montant, tu vas prendre la même laise et il faut que tu la poses dans le même sens. D'un si coup. Tu la poses pas dans... Presque d'un coup. Il faut que tu marques pour pouvoir faire tes arêtes, mais quoi qu'il en soit, tu peux pas inverser. Oui, parce que sinon la portière va être violette et l'avant va être jaune, ça n'a pas de sens. Sinon après le changement de coloris se fait pas bien. Très bien. Et c'est pas beau. Mais c'est, là c'est beau. Là normalement c'est beau. Ok frérot, donc ça, ensuite on passe à Fresh Detailing, donc le frangin qui est là. Salut. Alors lui frérot, il a été lavage intégral en profondeur. Donc il a fait un detailing intérieur plus le nettoyage des sièges, ouais. Et aussi, Mika, petite céramique, ça c'est évident. Ouais, c'est ça, c'est évident. Au moins, moi salir, elle sera tout le temps déperlante, donc tu vas bien kiffer. C'est pour l'aérodynamisme aussi. Tu vas gagner deux chevaux à peu près. Ensuite, ce qu'on va faire, frérot, c'est que là, je finis de la liste, après je vais vraiment faire le tour de la voiture. Ouais. Ensuite, le frangin Selectoto, comme c'était normal, il a fait un teintage homologué des vitres avant. Et un teintage full black des vitres et du pare-brise arrière qui est légal. Oui. Donc, Nazar a fait cette teinte, on le répète, qui est homologuée. C'est bon, le lynx, j'ai assez dit. Et l'arrière, il a le droit. Moi, généralement, le lynx.fr, sachez, frérot, que tout ça, c'est de cette couleur. Il faut le savoir, hein, moi. Et évidemment, le pare-brise, donc comme ça. Donc ça, c'est pour le frangin Nazar. Voilà, donc du coup, c'est ce qu'on a fait sur cette voiture. Annie, je te rends ton téléphone, mon frérot. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir montrer la voiture. Frérot, je te laisse la découvrir en même temps que moi. Donc, personnellement, comme je suis ici presque tous les jours, la voiture, je la voyais presque tous les jours aussi. Donc, c'est-à-dire que je suivais un peu les avancements. Le seul moment où moi, j'y étais pas personnellement, c'est quand elle était en mécanique. Et quand elle est partie chez DTEC. Et chez le débosseleur, et chez Nazar aussi. Sinon, tout le reste, j'étais présent et je voyais un peu l'avancée. Le choix de la couleur avec Alex, moi, personnellement, bah, j'ai eu aucune idée. En fait, j'ai eu des idées, mais je me suis dit, tu vois, le problème, c'est que je préfère laisser ça à Alex. Lui, c'est son métier. Et lui, il sait
comment ça va être fou. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce projet-là, il vient pas que de moi, il vient de tous, puisque ouais, tout le monde a mis sa petite patte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand même, j'ai quand même voulu hein, swapper, mettre un moteur de Mégane RS. Ils n'ont pas voulu. Désolé, voilà, ça fait quand même plaisir. Donc du coup, les petites jambes du Seigneur, là tu vas être frérot. Là tu vas être quelqu'un, ça fait c'est incroyable. Les petites jantes noires du Seigneur qui font plaisir. Après, le covering, il est juste incroyable. En fait, c'est con comme voiture, c'est incroyable. On t'a changé ton rétro. On t'a changé ton rétro, mon frérot. Ensuite, l'intérieur, moi, c'est l'intérieur, franchement. Regarde, parce qu'on dirait, elle est vraiment neuve, là. Putain, genre, vraiment, elle est neuve. Elle sort de concession. Elle sort vraiment de concession. Oh, oh merde, alors. Non, mais vraiment, c'est que là, oh, là c'est... Bon. C'est vrai que ça sent bon, ouais. Ah, oh, ça sent bon. Ah oh, putain, même ça sent la migraine. Oh, c'est... il a mis le maximum dedans. Bien vu. Incroyable. Donc franchement, ouais, là le taf il est ouf. Après quand même on vous entend, enfin moi je vous entendais dire elle était pas dans un état catastrophe hein. Non, pas du tout. Elle était easy. Il y avait easy, des housses, hein. Housses, tu vois. Ouais. Je sais que ils t'ont racheté des housses. Ouais. Après à ton beau vouloir de les mettre ou pas, moi perso je préfère comme ça, après c'est ouais. Toi qui vois. Ouais. Mais voilà, elle est plus belle comme ça. Hein. Mm. Elles sont dans le coffre. Ouais, elles sont neuves. Tu m'as fait le brief. L'intérieur, il est vraiment neuf, c'est ouf quoi. Bah avant, il y avait des housses que j'ai enlevées parce que du coup, ça s'est frité. Ouais, ouais. Et ah oui, ça s'est frité carrément. Après, je les ai achetées chez Naruto, d'autres housses. Ouais, mais j'ai bien vu que c'était il y a du sable. Il y avait du sable, il y avait du sable, ouais. Il y avait des aiguilles de pain. Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça. Il y avait la passion avant tout. Après, ouais. Incroyable. Putain, incroyable. Attends, fais voir le coffre. Ah, non, mais le coffre, mais c'est, il est refait de toute façon. Mais attends, il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'il est refait. Mais bien refait, hein, frérot. C'est pas demain t'enlèves le covering et que y a le truc encore le trou. Hein. Rien à voir. Non, quand même pas. Non, dans les règles de l'art, non, faut le dire. Mais franchement, là, la voiture, faut vraiment que tu la gardes, mon ref. Elle est incroyable. C'est un mythe. Faut vraiment pas que tu t'en sépares, frérot. Elle est incroyable. On peut manger dessus carrément. Ah, mais, carrément. Et puis, donc là, on voit hein, côté LED, il est allé te foutre des LED jusqu'ici, frérot. Donc t'as le LED, t'as les LED ici, et puis bah après. Voilà, donc ça, c'est les housses hein, qu'on t'a pris. Voilà, hein, c'est un petit plaisir. C'est bizarre, petit plaisir. Tu vois, tac. Incroyable. Ah oui, on t'a refait les plaques aussi aux toilettes, t'as refait les plaques. Les plaques sont incroyables. Les plaques propres. Ouais, voilà. Super. Les plaques sont propres. Voilà, et puis là, on voit tout maman. Allumé comme ça. Mets le feu de recul. Mets le feu de recul. Garde ça. Non. Feu de recul. Mets-le. Là, faut que tu rentres dedans. Attends. Là, c'est la guerre. Attends, c'est pas fini, regarde. Là, tu éclaires le quartier, là. Quand tu recules, là, mets le contact. Je suis en contact. Voilà. Merde. Là, c'est un peu trop. Ah ouais, fin non. De plaque. Ah ouais, non. C'est au niveau de l'avant, attends, mon petit Alex, reste comme tu es, mon frérot. Mais non, c'est insolent, c'est insolent. C'est qu'elle rend comme ça là, elle rend vraiment bien. Non, attends, je vais m'en aller là. Mets un petit coup d'appel de phare, voilà. Le coup d'appel de phare de passionné uniquement. Putain, incroyable. Comme a dit Akram, après, un petit moteur de Mégane RS, c'est bon. Après un swap, mais ça, faut pas que le lynx pourrait faire ton coup, on pourra te le faire en off. D'ailleurs, il est arrivé. Mais... incroyable. Voilà. Alex, bravo. Merci. Mika, bravo. Merci. John, bravo. Merci. Tout le monde, bravo. Ouais, mon frérot. Franchement, merci à tous. C'est vraiment incroyable d'avoir l'opportunité d'avoir eu cette chance, frérot, d'être sélectionné. Bah écoute, avec plaisir. Et d'ailleurs, à ce propos, je viens de l'apprendre. Juste avant d'arriver, en fait, le lynx.fr, il refait le même concours pour encore quelqu'un. Ils ont incroyable. Kiffé le délire. Donc, du coup, il y aura une autre personne. Ouais. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est très beau, t'es. Alors, évidemment, avant qu'on termine, juste regardez dans ma description, il y a un lien et vous verrez, tout sera expliqué. Voilà. Frérot, c'est incroyable. Ouais, là, je suis en... Qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Tu vas vraiment la garder? Non, de base, c'était une voiture qui avait un capital sentimental énorme. Ouais. Voilà, pour diverses raisons. Mais ouais. Là, tu vas vraiment la garder, là, c'est un kiff. Jusqu'à la fin de ma vie, carrément. Bon, bah, ça fait vraiment plaisir, non, là, mon frérot. Là, franchement, c'est incroyable. J'espère que ça t'a plu. Choquette. Et après, bah, tu vois, on est quand même resté, hein, évidemment, dans la légalité. Ouais.
Donc on a fait ce qu'on pouvait avec la légalité, donc ça fait déjà énormément plaisir. Donc tout ça, la famille, c'est grâce à tous les partenaires et au Lynx.fr. Et franchement, moi je trouve que la caisse, elle est vraiment incroyable, surtout qu'elle a une petite gueule sympa, quoi. Tu sais, ça lui fait un petit truc, tu vois. Un petit truc sympa, quoi. En tout cas, là, c'est sûr qu'on te reconnaîtra, mon frérot. Là, puis tu ressembles, ça ressemblera à la communauté. J'appelle les collègues, doucement, je suis gentil, s'il vous plaît. Je te jure, ils vont que te dire. De toute façon, là, t'es en règle, je suis en règle, frérot. Ouais. Donc, c'est ça qu'on aime. Très bien, merci à tous. Bravo à tous. Merci. Franchement, merci. Bravo. Et puis, ceux qui n'étaient pas là, merci encore une fois à vous, évidemment. Et puis voilà, la famille, moi, on se retrouve d'ici deux jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à bombarder de j'aime, parce que quand même, c'est un projet qui est quand même bien marrant. On a bien rigolé en le faisant. N'hésitez pas à dérouler ma description, tout s'y trouve. Et puis, moi, je vous dis après-demain. Salut! Thank you.